Partagez les gars, partagez. Tous les droits sont réservés à Valsero. Partagez, on va pas durer là. Tous les droits sont réservés à Valsero. Introducing Michelob Ultra again. Partagez les gars, partagez. On atteint 20, on commence. Salut Alain. Le bout du tunnel. Les Camerounais sont dans un tombeau et ils crèvent. Ils sont morts dans le cœur. Alors, bonjour, il est 10 heures à Los Angeles et je dis mon avis. Mon avis sera dur. Moi, j'assume mes propos parce que de temps vont dire que vous êtes jaloux. On est jaloux de Ngannou. On n'est pas jaloux. Moi, particulièrement, je ne suis pas jaloux de Ngannou. Ngannou a fait ce que les jeunes rêvaient. Il a peut-être réalisé son rêve. Que moi, je pense que je l'ai fait à mon niveau. J'ai représenté le Cameroun à mon niveau et je suis fier de moi. Je suis venu ici avec un visa de contrat de travail. J'ai réalisé mon truc. Je suis venu comme un mannequin et je suis passé à la télévision américaine dans une émission de mannequin. J'ai fait une télé-réalité et après cela, je suis allé au Cameroun, j'ai créé une fondation des sourds-muets parce que mon petit frère est sourd-muet. J'ai créé la fondation des sourds-muets que j'ai sponsorisé, que j'ai aidé et que j'ai même créé une équipe. Une équipe, suivez bien, une équipe dans la FECASO. La FECASO, c'est la Fédération Camerounaise des sourds-muets. Mon équipe a pris le trophée. Il est bien vrai que les sourds-muets, c'est des gens aussi handicapés qui n'ont pas de voix, les sans-voix, que quand ils ne peuvent pas parler, on ne les entend pas parce qu'ils ne parlent pas. Ils sont négligés. Ce qui fait que la FECASO, la Fédération Camerounaise des sourds-muets, puisque c'est des sourds-muets, ils sont négligés, n'était pas aussi grand au Cameroun. Mais, les gars, s'il y avait un budget pour ça, c'était comme la FECA Foot. Donc, mon équipe a pris la finale et mon équipe, le capitaine de mon équipe a salué votre type. Le capitaine a salué. Donc, si le capitaine salue, ce que c'est moi, c'est moi qui ai salué. Bonjour Arnaud. C'est moi qui ai salué. Si le capitaine salue le président en lui donnant le trophée, oui, tu as gagné. Moi, je suis fier de moi. Je sais que je suis fier de moi. J'ai salué aussi. Parce qu'il me passe ce salut. Alors, j'étais fier de ce que j'ai fait. Je suis venu. J'ai acquis un truc. Je suis rentré. J'ai créé une fondation et que au niveau national, au moins, le président de la République, a reconnu cela. Voilà. Voilà un gars,
un gars comme Ganou qui a Boza, qui a Boza, un gars comme moi, bon, moi si je n'ai pas Boza, mais moi on m'a reconnu, on m'a vu, on a vu que j'avais quelque chose, on m'a mis dans l'avion pour m'amener aux États-Unis. Lui encore pire, c'est que lui il a Boza, il a vu la vie, il avait un rêve, et puis s'est évadé, il est passé par la mer, il est parti, il a nagé, tout ça là, avec tous les risques. Il a préféré que les requins le mangent, comme Valsero dit. Je préfère être mangé par les requins au lieu de rester dans ce pays. Il préfère aller bagarrer avec les requins. Ganou est parti, il a bagarré avec les requins, il s'est en sorti. Il s'est en sorti, il a fait tout ce qu'il a fait. Il a réalisé, il est venu aux États-Unis, il a gagné le champion. Pas du Cameroun, hein. Champion du monde. Les gars, peut-être vous ne voyez pas l'ampleur. Vous ne voyez pas ce qui se passe parce que vous dites que, oh, ils sont jaloux. Champion du monde, pas champion du Cameroun. La première fois, il est parti. Il est rentré au pays, il s'est filmé avec le billet. Ça a créé tout. Les activistes se sont fâchés. Ça a créé tout ça, ça a créé. Il a vu le... pour lui, le billet était le top. Pour lui, le billet... La brigade. C'était le top pour lui. Il s'est filmé avec eux. C'était son rêve de se filmer parce que peut-être il a voulu être dans l'armée un jour et ça n'a pas réussi. Il est parti. Il s'est filmé. Et il revient. Il va au Cameroun. Il va au Cameroun. Ça veut dire qu'il devait être au next level. Next level. Il gagne le champion du monde. Champion du monde, il arrive au Cameroun. Il a cet accueil-là. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une déception. Vous pensez que il est content. Moi, j'étais fier que ce que j'ai fait, le président a reconnu. Moi, j'étais fier. Mais lui, il arrive au Cameroun. Même le président de la République ne le reçoit pas. Même être reçu à étudier. Être reçu à étudier. Il n'a pas pu. Ce n'est pas, vous pensez que pour vous c'est la gloire. Mais à son niveau, quand il va rester comme ça seul dans sa chambre, il va dire, mais c'est comment? How que même le président de la République? Parce qu'on va lui demander ça. On va lui demander quand il va rentrer, c'est que montre-nous les photos avec ton président, on ne t'aime pas dans ton pays ou quoi. On va lui demander ça, le rapport. On va lui demander que, mais c'est comment? Ton président ne sort pas pour te féliciter, pour te congratuler. Pour te congratuler, les gars. Pour te féliciter. Ton président ne sort pas pour te féliciter. On va lui demander. Où sont les photos avec ton président? Où sont les photos avec le président? Tu me dis, tu dis que tu es champion. Champion du monde, pas champion d'Afrique. Le président ne sort pas pour féliciter un champion du monde. Sachant que ce champion du monde-là est vu partout dans le monde. Qui est le représentant du Cameroun? Ce n'est pas le président Paul Biya. Ce n'est pas lui qui est le champion. Parce que le monde est en train de chercher à voir où sont les photos avec le président. C'est une façon, Ona. C'est une autre façon, une façon de montrer qu'on est dans un pays où le président n'existe pas. C'est une autre façon de montrer encore qu'on est des orphelins. Et c'est une autre façon que lui va profiter pour dire à Saint-Jacques que mon pays souffre, mon pays n'y a pas de gens.
Il n'y a personne qui gère ce pays. Qu'il n'y a personne qui gère, qui est dans ce pays. C'est une honte, les gars. C'est une honte pour nous, les Camerounais. Que les gens qui vont dire champion, champion. Champion dans quoi? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Le président ne sort pas pour montrer que oui, voilà notre champion. Champion d'Afrique. Pas champion du monde. Laissons l'Afrique. Champion du monde. Ah, les gars. On est où là? Comment est-ce que nous pouvons parler et vous pensez qu'on est en train de. On est dans la haine. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on est dans la haine? On n'a aucune haine avec ce gars. Ce sont ses rapports. On n'a aucune haine. C'est parce qu'il reste. Il s'approuve encore qu'il travaille avec ce gouvernement. Il ne se demande pas où est le président. Je vous dis qu'il sera dans sa chambre d'hôtel étant dépaysé, il n'aura pas cette gloire parce que il va se dire que something is missing. Something is missing. Il y a quelque chose qui manque. Je n'ai pas tout. J'ai le champion du monde, mais je n'ai pas tout. Je n'ai pas touché les mains de mon président. Ma mère a touché la ceinture. Mon père a touché la ceinture. Mes amis ont touché la ceinture. Tout le monde a touché la ceinture. Mon président n'a pas touché la ceinture. Mon président n'a pas touché la ceinture. Ça veut dire que mon président n'est pas d'accord. Ça veut dire que mon président n'existe pas. Mais les gars, réfléchissons un peu. Enlevons la haine. Aide-moi à détester. Enlevons la haine de dire que on le déteste. Quand on fait ce rapport là, hein? Non, je ne veux pas dire que je ne peux même pas aller là-bas ou non. Ce n'est même pas parce qu'il est Bami. Non, c'est pas ça. C'est le champion du monde. C'est le champion du monde. On ne regarde pas le côté là. Même les Américains vont lui demander que où est ton président? Where's the picture with your president? Yo, where's the president? Your president, where, you don't have a president in your country? The president is supposed to be happy. Your president is supposed to be happy and carry that belt. Tie on him. Il devait même mesurer aussi la ceinture parce que si le champion, c'est le président qui est champion. S'il est champion, le président est champion. Ça veut dire que le président, il devait aller à étudier. La honte. Ce pays tue vraiment les jeunes. Voilà quelqu'un qui est arrivé au bout du tunnel, il ne voit pas le tunnel. Voilà quelqu'un qui arrive au bout du tunnel, il ne voit pas le tunnel. Il manque toujours quelque chose. Voilà quelqu'un qui arrive au bout du tunnel, mais il n'est pas content. Dans sa tête, il ne sera pas content. Dans sa ciboule là, il n'est pas content. Mon frère, tu as pris le jet privé, aller au Cameroun. Prends aussi le jet privé, tu vas au désert. Tu vas au moins au désert. Prends le jet privé. Tu vas au désert, même si tu ne peux pas les aider. Tu pars, tu montres aux gens que voilà là où je suis passé. Voilà. Les gars du désert doivent être ton modèle. Tu dois être leur modèle. Ça montre qu'il n'y a pas de soutien. Il n'est pas soutenu. Ça montre qu'il n'est pas soutenu. Et il fait de ça quoi? Ça c'est la haine. Ce n'est pas différent de Mbango. Ce n'est pas différent de Françoise Mbango. Ça veut dire que si tu reviens aux États-Unis, tu portes encore ce drapeau là. C'est que tu es le plus bête. Je te dis. Si je reviens aux États-Unis après cette humiliation, parce que ça pour moi c'est une humiliation.
Le petit, c'est une humiliation. Ça, on t'a humilié. Ne regarde pas le bas peuple là, c'est les mendiants. C'est les gens qui veulent, qui courent derrière toi pour avoir les miettes. Certains n'ont même pas vu le combat. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais on a entendu, certains ne t'ont même jamais vu. Certains n'ont jamais vu le combat. Certains ne savent même pas qu'il y a un sport comme ça. Mais quand tu es arrivé, tout le monde court. Peut-être tu peux jeter les miettes comme ça là. On brandit, les gars sautent dessus. C'est pour ça qu'ils sont derrière toi. Ce n'est pas pour cette gloire là. La bonne gloire, c'est que ton président porte ça. Il montre aux yeux du monde entier que voilà mon champion. Je suis le champion du monde. Il nous amène. C'est le président qui doit montrer au monde que j'ai le champion du monde, le Cameroun. Je représente le Cameroun. Tu ne représentes pas le Cameroun. Le président est le président du Cameroun. C'est lui le chef du Cameroun. C'est lui qui va maintenant porter la ceinture et dire que I rule the world. C'est lui qui va porter la ceinture pour montrer que oui, je gère le monde ici. Ce n'est pas, si tu pars dans un pays, tu es champion du monde. Tu es champion du monde et tu es humilié à ce sort. Tu peux te filmer avec les combis. L'excellent qui? C'est juste les gens du cercle satanique. C'est les gens du cercle satanique. Ce sont eux. C'est eux qui t'ont reçu. Et toi, tu ne sais pas ça. Et tu ne sais pas ça. You don't know where you are. Papa, on t'a humilié. Si tu rentres dans ce pays sans que le président de la République ne porte ta ceinture comme ta maman était contente là. Le président de la République doit sortir et porter cette ceinture. Et porter cette ceinture. Montrer aux yeux du monde que oui, le Cameroun est champion. Je représente le Cameroun. Ou alors ils savent que tu n'es pas Camerounais. Tu es français, tu n'es pas Camerounais, ils ne veulent pas dire que, puisqu'il n'y a pas la double nationalité au Cameroun, ils ne peuvent même pas pour. Ou alors c'est ça. Vous nous montrez encore que il y a des gens qui ont la double nationalité qui vont au pays n'importe comment. Vous nous montrez ça. Ça prouve que si vous ne sortez pas, si le président ne sort pas, ça prouve que c'est parce qu'il sait que tu n'es pas Camerounais. Si le président sort, ça prouve qu'il n'est pas mort. Si le président ne sort pas, ça prouve qu'il est mort. Pas au moins même te filmer avec la photo. Pas te filmer même avec la photo. Pas te filmer avec la photo. Tu arrêtes la photo en main comme ça. C'est ma feu maman. Tu fais comme ça? C'est ma feu maman. Tu vois comment elle était belle. Elle est morte, elle était très jeune. Ouais. Maman avait peut-être 35 ans. Elle est morte très jeune. Tu vois comment elle était belle, elle me ressemble aussi. Va, tu arrêtes la photo. Tu arrêtes la ceinture. Un plan ou quoi? Tu mets la ceinture, tu mets la ceinture ici, tu mets la photo là, tu ris. Mbap. Franchement, quelle humiliation pour un champion du monde. Quelle humiliation pour un champion du monde. Franchement, je suis vraiment meurtri, ça me fait mal.
parce que je suis dans ton, je me mets pas à ta place quand tu seras seul dans ton hôtel. C'était ton but, man. C'était ton but, aller dans ce pays. C'était clôturé. C'était pour clôturer. Tu devais clôturer le cercle. Tu devais clôturer le cercle. Champion du monde. Champion du monde doit être reçu par... Même champion du camp. Je t'ai dit que mon équipe des sous-muets était champion du Cameroun. Je ne sais plus l'année. Mon capitaine a salué Paul Biya. Et s'il salue Paul Biya, c'est qu'il m'a salué. Je suis content, je suis fier. J'étais fier que j'ai aussi acquis quelque chose. J'ai fait quelque chose pour mon pays. Donc, j'ai salué. Si tu ne le salues pas, c'est que tu vas... Et tu rentres dans ce pays-ci, tu auras très honte. Tu aurais très honte devant les Américains. Très honte, man. Et pour nous, ça serait une honte. Pour nous, les Camerounais, c'est une honte. On nous a souillés. On nous a mis à un niveau bas. On nous a montré comment on ne valorise pas nos stars. On nous a montré comment ils sont rien. On nous a montré comment on est les orphelins. On nous a montré comment on n'a pas de père. On nous a montré comment les Camerounais font ce qu'ils veulent. Le ministre l'a reçu. Vraiment. Champion du monde, c'est le ministre qui le reçoit. Pas champion du Cameroun. Moi, je t'ai dit que mon père, c'était champion du Cameroun. C'est le président qui a reçu le trophée. C'est lui qui a donné le trophée. Allez dans YouTube, vous allez voir. J'ai dit Cameroun, champion du monde. C'est le ministre qui le reçoit. Je le pousse à côté. Je dis, c'est pas toi que je veux voir. Je le pousse à côté. On n'est plus à ce niveau-là. Ministre. Champion du... Pas champion d'Afrique, les gars. Champion du monde. Quelle honte pour le Cameroun. Vous venez dire qu'on a gagné. On a gagné. Gagné est monté. Voilà la honte. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est l'humiliation. Zéro. Zéro. Cette ceinture n'a pas été bénie par les Camerounais. Parce que si, pour que ça soit béni, il faut que le président de la République touche ça. Il faut que le président de la République touche ça. Ça nous montre à quel niveau. Ça nous montre, ça va là encore les indices. On vous montre chaque jour les indices qui prouvent que on est géré par la photo. Mais des gens vont venir dire que, oh, il est là-bas. C'était bête. C'est très bête, les gars. Que quelqu'un vient encore me dire que le président de la République est là. Le président de la République est là. Il est où? Il est où avant qu'un fils, c'est lui qui a dit le 11 que, allez, vous faites votre tour, vous ramenez au pays. Mais il est où pour bénir, pour souhaiter, pour féliciter un jeune qui s'est battu de lui-même. Quelqu'un Boza, il a esquivé les requins dans l'eau. Il a esquivé les requins. Il s'est en sorti. Il a esquivé les requins. Non. Non. Va encore prendre la photo avec le billet. Va encore prendre la photo avec le billet. On voit. Tu as appris, peut-être tu as appris ta leçon là-bas. Toi-même, tu as compris. Mais je suis sûr que hein, le champion du monde, si. Le champion du monde, si.
ça va t'ouvrir les, ça va t'ouvrir le cerveau. Ça va, tu vas te faire comprendre certains trucs que tu ne comprenais pas. Oh, je suis à politique, mais voilà là où la politique va te faire. Voilà où la politique va te faire. Voilà où là tu vas comprendre que voilà la politique. Voilà où on entre dans la politique. Si tu atteins au bout du tunnel, tu ne vois pas. C'est là où tu vas comprendre que pourquoi est-ce qu'il ne me reçoit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me reçoit pas? Je vais aller aux États-Unis. Je vais montrer quelle photo? Je vais montrer la photo avec le ministre. Finger et long et long. Fingon est long, 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 accueilli. Le pays. C'est une honte, les gars. Vraiment, c'est une honte. À tous. C'est une honte, mon frère. C'est une honte. Oui, c'est obligé. L'obligation oblige, man. Que ton président saute, il te donne ton trophée, il met ta ceinture. Quand même, ayons le bon sens. Qu'est-ce que les gens disent que c'est pour se obliger? Vous êtes même où? Pardon. Je sais qu'il y a Dieu de l'État, il y a dépassé. Parce que parfois, quand tu... Il y a des moments que tu ne peux pas convaincre quelqu'un, tu dis que mon fils, c'est obligé. Tu ne peux pas me convaincre que tu es obligé de dire que est-ce que c'est obligé? C'est obligé qu'il aille voir le président. Fuck that. Parce que tu y as dépassé. I feel you. Je te comprends. Beaucoup de Camerounais sont comme ça. Ils sont seulement obligés. Même les Sardinas vont dire que depuis quoi? Ils ne le voient pas. Le ministre l'a reçu. Non, il va encore quoi? Vous ne regardez pas. Parce que vous ne réfléchissez pas niveau high level. Nous qui réfléchissons à ce niveau-là, on est loin. On est loin. On réfléchit au niveau international. On réfléchit au niveau international. Parce que c'est qu'est-ce que... Les gens, les Américains vont lui demander que, mais montre-nous les photos de ton village. Montre-nous les photos de ton... Tu as fait quoi? Pourquoi le président? On réfléchit à ce niveau. Ne réfléchissons pas au niveau du sous-quat. Ne réfléchissons pas au niveau de Biémassi ou bien de Nkululu. Réfléchissons au niveau international. Le gars est international déjà. Le gars n'est pas camerounais au niveau. Il n'a pas gagné le championnat du Cameroun. Ce n'est pas le championnat du Cameroun. C'est un truc international. Vous croyez qu'on est bête? Vous croyez qu'on... Vous prenez vraiment les Camerounais comme je ne sais pas comment vous prenez les... Vous dites que nous, on est bête, vraiment zombifié là. Hein? Le genre que... Vous nous montrez les indices qu'on n'est pas géré par quelqu'un. Mais on est là, on accepte toujours. Et vous croyez que les Camerounais sont bêtes? C'est parce que les Camerounais ne savent plus quoi faire. C'est parce que les Camerounais ne savent pas quoi faire. Les classes sont en train de mourir dans eux. Faites ce que vous voulez. C'est le genre qu'on te tape, on te tape. Quand ton pâté te tape, après tu te laisses aller, tu te tapes. Tu te laisses aller. Le Camerounais à ce niveau. Le Camerounais à ce niveau. On l'a déjà tellement tapé qu'il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de force. Il regarde le Tchad seulement à la télé. Il regarde le Mali seulement à la télé. Il regarde la Côte d'Ivoire seulement à la télé. Il regarde lui-même jusqu'à ce qu'il dit où les gars l'ont fait là-bas. Où les Tchadiens ont fait ceci. Pourtant, c'est les voisins. Pourtant, ils ont le même problème. Pourtant, ils ont le même problème. Mais pour le gouvernement, là, ils se disent que les Camerounais, là, c'est des zombies.
C'est des zombies. On ne valorise pas nos stars. Voilà. Vous avez vu. Voilà Stanley et nous. Là, les stars. Les Camerounais sont en train de partir en Côte d'Ivoire. Tous les stars camerounais même. Les stars camerounais. Je saute sur les stars camerounais en même temps. Les stars camerounais savent qu'ils n'ont plus de soleil. Ils n'ont pas leur étoile. Ne peut pas briller s'ils restent au Cameroun. Ton étoile ne peut pas briller si tu restes au Cameroun. Voilà Stanley Eno. Qui pas fait son événement en Côte d'Ivoire. Voilà Nathalie Kouah. Qui pas fait son projet en Côte d'Ivoire. On lui a demandé dans son direct pourquoi le premier projet c'est en Côte d'Ivoire. Elle dit on va d'abord commencer en Côte d'Ivoire avant de venir au Cameroun. On va d'abord commencer en Côte d'Ivoire pour relancer avant de venir au Cameroun, maman, parce que tu ne peux rien faire au Cameroun. La bonne charité commence par soi-même. Tu aurais fait ce projet d'abord au Cameroun. Mais puisque tu sais que ça ne va rien donner au Cameroun, il faut aller en Côte d'Ivoire. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en train de partir en Côte d'Ivoire. Steve Fa, Carrelé, il est en Côte d'Ivoire. Il va en Côte d'Ivoire. Tout le monde part en Côte d'Ivoire. Déménager une fois. Déménager une fois. Tentez de donner les passeports aux Camerounais. Tentez de leur donner les passeports. Le pays là sera vide. Parce que ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes. Un pays qui a moins 70% de jeunes, chaque jeune a le rêve. Chaque jeune a un rêve. Oh, voilà, le Nganou est le modèle, sera le modèle des jeunes pour aller où? Pour aller où? Faut déjà avoir le courage d'aller nager. Donc, Nganou est le modèle. Vous dites que Nganou est. Nganou vient au Cameroun, dit que je suis le modèle. Je suis le modèle camerounais. Quel modèle camerounais? Un modèle camerounais, c'est celui qui. Donc, vous envoyez les gens. Vous voulez que les Camerounais aillent. Les Camerounais aillent nager, esquiver les requins. Comme lui, c'est ça qu'on appelle modèle. Modèle, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est. Ça veut dire que tu es mon modèle, ça veut dire que tu as suivi mes pas. Je suis tes pas. Oh, non, le pays ne va plus rien. Ce pays tue les jeunes. Pap, j'ai mon passeport, je prends la route du désert. Ça encourageait le désert. Ça encourageait le désert. C'est encourager le désert. Il n'est pas le modèle. Il n'est pas le modèle camerounais. Le modèle camerounais, ça veut dire que s'il était passé, s'il était passé par un bon chemin. Parce qu'aller dans le désert, aller dans la Méditerranée, vous connaissez combien de Camerounais meurent là-bas. Donc vous encouragez les Camerounais à aller dans la Méditerranée en disant que Nganou est le modèle camerounais. Modèle camerounais champion, oui. Si on enlevait la partie de la Méditerranée. S'il avait voyagé par avion, s'il avait commencé au Cameroun, à faire son tour au Cameroun, et puis ça l'a envoyé aux États-Unis, et il est champion, ça c'est le modèle. Pour moi, je dis mon avis. Dans mon émission, je dis mon avis. Ça c'est mon avis. Être modèle camerounais, c'est que il a voix au pays. Il a travaillé. Il était dans une école de formation au pays. On l'a formé. Il est allé au pays. Il a pris l'avion. Il allait représenter le Cameroun en Amérique. Il était champion. Non, mais si quelqu'un arrive au pays, vous ne lui avez rien donné. Il n'avait aucune structure. Il n'a même pas appris quelque chose au pays. Il part dans l'eau. Il esquive les requins. Il sort champion et il revient au pays. Vous l'appelez modèle. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas. Si j'ai bien parlé, donnez-moi les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Sinon, vous encouragez les gens. Si vous passez votre temps à dire, oh, voilà le modèle camerounais. Le modèle camerounais, ça veut dire que Nganou a ouah au pays. Il a une bindi d'eau.
il est sorti, il a pris la route du désert. C'est ce que tu vas dire à ton enfant, c'est ce que tu vas dire à ton frère, c'est ce que tu vas dire à un ami du quartier. Gars, j'ai pris l'eau. J'ai pris l'eau. Gars, j'ai pris l'eau. Gars, si c'est dur. Quand la crinière s'assombrit, fuis mon frère. C'est ce que Vassero a dit dans l'un de ses morceaux. Fuis. Maintenant, là, les Camerounais sont en train de fuir. De partout. Donc, Ganou est le modèle. Parce que il faut que tous les Camerounais qui souffrent au pays vont par le désert. Après, ils nagent, ils arrivent aux États-Unis. Les champions. Nathalie Koua, elle a un projet. Au lieu de faire ça d'abord au Cameroun, elle ne peut pas faire ça au Cameroun. Elle fait ça en Côte d'Ivoire. I don't get it. Regardons un peu. Tout le monde est en train de prendre. Tous les stars ne peuvent pas briller au Cameroun. Tu es star, tu ne peux pas briller au Cameroun. Ton niveau, ça va rester à Bilongue. Ton niveau de star va rester à Bilongue. Ou bien à Biémassi. Ou bien à Komkana. Vous allez voir les stars avec les 1 million de vues des Camerounais. Ils sont contents, mais dans eux. Dans eux, les gars. Quand tu as une étoile, quand ça ne brille pas, tu peux mourir. Quand tu as une étoile, tu ne voyais pas tout ce que ces gens-là postent là. Les chanteuses là, les mannequins. C'est aller dans la réalité des stars camerounais. Les gars meurent à petit feu. Parce qu'ils ne sont pas valorisés. Leur étoile ne brille pas au niveau où il fallait. Leur étoile ne brille pas parce qu'il fallait. Vous allez voir les gars en train de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Un artiste va aller chanter. Un chanteur va aller faire le théâtre. Parce qu'il s'ennuie. Parce qu'il s'ennuie. Son étoile ne brille pas. Son étoile ne brille pas au Cameroun. Ce pays tue les jeunes. Tenon est obligé de s'accrocher sur l'Ivoirien. Tenon est obligé de s'accrocher sur l'Ivoirien pour avoir la visibilité. Pour que quand on parle de l'Ivoirien, on a parlé de lui. Tenon est obligé de s'accrocher. Oui, parce que ce pays tue les jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Stanley est obligé d'aller en Côte d'Ivoire, il poste ce qu'il a en Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont obligés d'aller chercher les amis en Côte d'Ivoire. Parce qu'au moins, la Côte d'Ivoire valorise dans le showbiz en Afrique. Chacun cherche. Quand tu as une étoile, ça ne brille pas, mes gars. Je vous dis que c'est stressant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de stars de Hollywood sont entrés dans la drogue. Parce que le stress de ça. Ça crée beaucoup de choses. Donc, ne venez pas parler quand vous parlez de que tel a fait un problème, tel ça a fait ceci, c'est ça. Ça, c'est le buzz. Ça, c'est des choses que tu dois créer. C'est des choses que tu dois créer pour montrer que tu vis au moins. Ici, aux États-Unis, la star va aller voler. La star va aller voler dans un magasin. Pour qu'on parle de lui. La star va aller conduire un Uber. Mais vous voyez toutes les histoires là. C'est les stars américains. Va conduire, il va se faire filmer. On va dire, oh la star, comment tu fais dire le Uber? Tu fais le taxi?
C'est ça. Parce que ce pays-là, voilà, il s'accrochait sur Judith Arafat à l'époque. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Que les stars américaines, les stars la font quoi au Cameroun? Les petits jobs, les petites musiques, les petits trucs. Ça fait mal, les gars. Et ça te fait vieillir. Ça te fait vieillir vite comme ça, bam, la dépression. Tu peux lâcher, tu dis, ah, fuck that shit. Pourtant, tu étais star. Mais ça, on a éteint ça. Tu fais tout. Peut-être pour toi, tu n'es pas le genre. Pour toi, peut-être pour toi, c'est seulement chanter. Tu ne peux pas faire autre chose. Mais on te bloque ça, tu es fini. Tout le monde veut s'accrocher sur une star. Tout le monde veut. Et c'est la même chose. Il y a... par exemple, je prends Chantal ici, qui est une amie, qui a bousculé. Elle était finie. Et Chantal était une star camerounaise, mais elle s'est battue. Elle a commencé, créé même les problèmes avec son frère. Expressement, ça c'est la star, je lui donne ça. On ne va pas vous dire, mais c'est ça. Ça te fait faire des trucs pour la visibilité. Elle l'a fait. Et ça lui a donné. Et puis enfin, elle a sorti, bam, un morceau de l'unité qui a fait mouche, qui est en train de faire mouche. Mais l'erreur que les... Quand vous faites comme ça, là, et quand vous arrivez là-bas, le Camerounais, c'est les gens qui peuvent vous mettre en haut et qui peuvent encore vous descendre. Ils reviennent encore vous mettre en haut et ils vous redescendent encore. Le Camerounais, c'est ça. Capable de faire ça. Donc, quand vous dealez avec les Camerounais, quand tu es une star, tu dealez avec les Camerounais. Prends position. Parce que si tu ne prends pas position, et la position, c'est le côté faible, parce que le Camerounais sont pauvres. La position, c'est le côté faible. Donc, quand tu viens, tu prends la position, vous vous rappelez, Maman Nguia, la première vidéo qui a fait la chute de Maman Nguia, la première vidéo, quand elle demandait de l'argent, elle a cité Maman Chanta. Elle a dit, Maman Chantou, viens m'aider. Elle a montré les photos d'elle et Chanta. À l'époque, le combat était encore chaud. À l'époque, on ne voulait rien voir de ce gouvernement-là. Ça a chuté des gens. Bon, quand elle vient maintenant, elle vient là maintenant, elle commence à parler de Jean-Pierre Moug, c'est Pierre Moug ou machin. Tu supportes quelqu'un que nous, on ne veut même pas sentir. Moi, à mon avis, j'ai vu la vidéo, je dis mon avis à mon émission, hein. Moi, j'ai pensé que j'ai vu une vidéo où j'ai seulement vu la vidéo, j'ai pas vu le live. Où je crois que c'est Kamwaki a posté où elle disait que enfin elle incriminait J. Point. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Elle a dit c'est dans la vidéo. C'est mon ami, mais je lui dis ça. Elle incriminait J. Point en disant que parce que bon, ou tu es mon ami, tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi, c'est simple. Elle disait que J. Point l'a conseillé, je dis mon avis, J. Point l'a conseillé de mettre Kawa en prison par rapport à
au sabotage de Kamwa qui disait que il faut trouver un avocat parce que c'est un chantage qui disait que Chantal voulait l'empoisonner. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi, ou Kamwa était venu dire que Chantal veut l'empoisonner. Maintenant, quand tu viens faire pour parler de ça là, est-ce que J-Point avait mal fait? Est-ce que J-Point avait mal fait en te disant prends un avocat? Mais quand tu c'est un truc que ça n'avait pas sa place, tu ne serais pas venu parler de ça ici. Parce que quand lui il te dit prends un avocat ma chérie, prends un avocat parce que pour que quelqu'un ici là te dise que tu veux l'empoisonner, c'est dangereux. Pourquoi tu es venu dire ça que c'est J-Point qui t'a conseillé de prendre un avocat? Alors, moi, je n'ai pas apprécié cette partie-là. Je n'ai pas apprécié cette partie-là. Parce que tout ce que J-Point a fait, et je ne pense pas, et en plus, je ne sais pas, à moins que je sache, je n'ai pas vu où J-Point t'a indexé. Je n'ai pas vu où J-Point t'a indexé. Donc, c'était pour dire que quand tu es star, quand on te met en haut, cherche la balance. Cherche la balance. Et incline-toi toujours aux côtés du peuple. Non, ne viens pas dire que... Ne viens pas faire... Je ne parle pas de toi. Je dis quand tu es une star. Cherche la balance. Ne viens pas dire que tu vas être le médiateur des Sardinais et des Tontinas. Il n'y a aucune médiation. Sardinais, regardez le pays, il n'y a rien qui peut encore médier. Médier. On dirait que... Où sont mes professeurs là? Il n'y a rien qui peut encore arranger. Il n'y a rien qui peut encore arranger. Quelqu'un ne peut pas venir dire qu'il est médiateur. Tu ne peux pas... Tu peux venir dire que tu vas arranger un problème sardinat tontinant. Il n'y a pas. Donc, prends un côté. Ou tu es sardinat, ou tu es tontinant. Point barre. Parce que le sardinat, c'est celui qui est convaincu. Qui est convaincu que Paul Biya vit. C'est celui qui est convaincu que Paul Biya vit. Mais il est seulement convaincu comme ça là. Il n'a jamais vu. Et quand il y a les indices comme celui de Ngannou, qui est champion du monde, qui est champion du monde, et que le président ne vient pas le féliciter, ça montre qu'on n'a pas de président. Mais toi, le sardinat, tu vas toujours dire que oui, il est là, il est là, il est là. Je ne dis pas qu'il est mort, mais je veux dire qu'il n'est pas là. Mort peut-être comme... Wilfried Kanga avait dit, mort peut-être comme Vassoro avait dit, pas mort physique, il est mort physiquement. Physiquement. Donc, ne venez pas dire que vous voulez arranger le gouvernement, non. Non, on n'arrange pas. Il n'y a rien à arranger là. Ce gouvernement a déjà pillé tout. On n'a plus rien dans ce pays-là. Et on ne peut plus arranger. Ce pays-là ne peut plus être arrangé. Qui va m'arranger? Depuis qu'il y a Corona, est-ce que notre président est sorti pour nous dire que... même le masque. Voilà comment on met le masque. Voilà comment on met le masque. Rien. Oh, voilà comment lavez-vous les mains. Rien. Et vous venez dire que vous voulez qu'on a un président comment? Vous avez dit qu'on a un président vraiment comment? Partagez la vidéo, les gars. Vous avez dit qu'on a un président comment? Tous les gens sont en train de fuir. Ngannou va arriver au pays, le pays de la honte. Ça, c'est la honte. Le ministre l'a reçu. Donc, pour moi, quand tu es star, c'est pour ça que les stars là sont en train de fuir. Fuir. Parce que ce n'est pas facile. Tu peux avoir une dépression. Seulement être seul. Seul. Tu restes chez toi.
Tu dis que ouais, rien ne marche. Ma musique ne marche pas. Rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Des choses commencent à jouer dans ta tête. C'est ça. Tout ce que je voulais dire aussi en Ghana, c'est que fais attention. Fais trop attention. Fais trop attention. On peut enlever le villageois du village, mais on ne peut pas enlever sa villageoisie dans lui. Fais attention. J'ai vu dans un... J'ai vu, on a fait un post là sur Twitter. C'est une blanche qui a fait ce post. C'est une blanche qui a fait ce post. Où Ngano est là, torse nu, avec un mineur. Qui a même posté ça? Oh fuck. Qui a même posté ça? Et qui a vu ça? Qui a vu le post là? Quand Ngano est là avec un mineur, je ne sais pas si c'était au vestiaire. Je ne sais pas si c'est Cameroun Olympiade qui a posté ça. Je crois que c'est l'événementiel. Événementiel, quoi que. Qui a posté ça? C'était sur Twitter. Ngano est là. Il y a une fille qui est en train de faire un selfie. C'est dans le truc là. La fille est torse nu. Lui, il est torse nu. Et la fille est carrément. Je ne sais pas dans quelle position ils étaient. C'est un truc qui est dangereux aux États-Unis. Quand on dit qu'on n'enlève pas le villageois, on ne va pas l'enlever ça dans lui. Il a sa culture. C'est normal. Je me rappelle quand ma fille faisait les 100 mètres. Ma fille gagnait toujours. Mon fils ou ma fille, les deux. Et c'est des gars qui étaient les top. Ils étaient dans les 10 premiers. C'est ma fille qui me fait entrer dans Madison Square Garden. C'est elle qui me fait entrer dans le jardin de Madison à New York par sa performance. Elle était parmi les 10 premiers des 100 mètres à l'époque. Donc, quand j'arrivais en tant que préparateur physique, je lui faisais les étirements avant et après son truc. Et maintenant... Il y avait beaucoup d'enfants. Parce que la performance de ma fille venait par les étirements que je faisais là. Et il y avait, j'ai commencé à étirer ses copines. Ou ses copines qui voulaient aussi, qui voulaient les étirements. C'est alors le coach qui vient me dire, don't do that. Don't do that. Tu ne peux pas toucher un enfant ici là. Sans l'accord de son parent. Et c'était normal. Parce que l'enfant peut même dire que tu l'as touché là où elle ne voulait pas. Et c'est la prison. Donc ça veut dire que là où ce gars-là est là, qui se méfie, parce que le blanc ne blague pas. Je vous ai dit, je n'ai pas vu la photo. La photo est dans ce cellulaire-là. Allez dans les je ne sais pas la page du gars là. La fille a fait un selfie. Il est là, torse nu, là, avec les muscles. Une petite fille, elle doit avoir peut-être 15 ans. Vous savez ce que... Allez lire les commentaires dans ce Twitter, vous allez voir. Allez lire les commentaires. Il doit faire trop attention. C'est le champion du monde. Ça veut dire qu'il doit faire trop attention. Il suffit que pour le descendre, le déstabiliser, on ne passe même pas à son coach. Donc, il ne faut pas que l'esprit villageois, là, l'esprit old school, là, l'esprit que c'est ma culture, on va venir avec ça en Europe, comme Karine disait.
qu'on peut dépoussiérer votre culture là. En Europe, on dépoussait, ça a créé le buzz sur Facebook. Que c'est normal. Tu vas venir ici avec ta culture. On va te dire que jamais on ne fait pas ça ici. Donc, il va venir ici avec sa culture, la culture qu'on est tous. On est tous. Pour moi, par exemple, on peut aller tous dans une vestiaire d'hommes au Cameroun. On se lave tous sans caleçon. Mais ici, tu ne peux pas, même si c'est vestiaire d'hommes, on ne se lave pas sans caleçon. Tu ne vas pas avoir. Chacun a son coin. Au Cameroun, on se lave. Quelqu'un met son bite comme ça, l'autre met son bite comme ça. Parfois, on se parle même de ça. Au Cameroun, c'est normal. Mais ici, ce n'est pas normal. Ici, ce n'est pas normal. Donc, ne venez pas avec votre culture là pour dire qu'on va ramener ça ici. On va te dire non. Ici, on ne fait pas ça comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Bonsoir pour partager la vidéo. Bonsoir Marie-Louise Ngami, partagez la vidéo. On ne fait pas ça. Donc, allez voir les commentaires. Les commentaires dans ce Twitter. Elle a au moins 15 ans. Elle a au moins 15, disons. Non, pas disons. Elle est mineure quand même, en tout cas. Mais une photo que tu... Elle est blanche. Elle est blanche. Une photo comme ça peut créer beaucoup de problèmes. Les blancs savent arranger les trucs. Il est champion du monde, les gars. C'est même son coach. Même son coach peut le vendre. Alors, quand on va parler de la haine, la jalousie et tout, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas dans ce niveau-là. Vous ne comprenez pas pourquoi quand tu es là, tu veux... Oui, bien sûr, à l'intérieur, on se lavait sans caleçon. Comme tu dis, ça n'avait pas de problème. Mais ici, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que quelqu'un peut dire que l'autre l'a touché, c'est dangereux. Bonsoir, Manga. Bonsoir, Manga. Partagez. Donc, il doit faire attention. Ce gars s'est humilié. Ce gars s'est humilié au Cameroun. Ça, c'est une humiliation. Qui ne croit pas que c'est la gloire. C'est une humiliation. Parce que là où il est encore au Cameroun, là, je vous assure qu'il est en train de négocier pour sortir avec la photo, avoir une photo avec Popol. Je suis sûr qu'il est en train de négocier pour avoir une photo avec Popol. Parce que s'il n'a pas, c'est là-bas. C'est là-bas où il a tout. C'est là-bas qu'il a scellé sa gloire. C'est là-bas qu'il a mis le ciment. Qu'il a cimenté sa gloire. Mais s'il n'y a pas de photo avec Popol. Ah oui, mais s'il n'est pas habitué dans ce genre de milieu, il doit avoir des gens qui doivent le conseiller. Il doit avoir des conseillers. Mais comme le Camerounais est le genre que toi, tu es qui pour me parler? Que là, il va tomber. L'Américain, quand il te prend. Moi, je n'ai pas. Je vous assure qu'avec le gars-là, je tapais ce gars-là. Je ne peux pas taper Nganou. Mais si c'est le genre de bagarre que ce gars-là a fait avec Nganou, mof. Moi-même, avec lui, si je vais avec lui, je dis à ce gars-là, bagarre comme tu bagarres avec Nganou. Ne viens pas, peut-être si bagarre autrement, pour montrer que pour moi, c'était un montage. Ici-là, les bagarres se payent. Les bagarres, c'est de l'argent. Regardez la bagarre, mon frère. Même un gars du quartier, les quartiers où les vieilles de 60 ans agressent là, Nkulminta. Même un gars de Nkulminta pouvait taper ce gars. Vous parlez de quoi là? On connaît tout ça ici. C'est le pay-per-view. C'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Je dis ça, je ne dis rien. Mais on va voir ça plus tard. Et vous allez revenir me dire que oui, Bertine, tu avais raison. Parce que si je veux, il y a des trucs que si tu dis là, on te bloque.
Quand il y a des trucs que tu dis, même si comme c'est en français, et ils te bloquent. Parce qu'il y a des gars qui sont là comme ça, là, qui sont payés pour venir écouter nos lives. On te bloque. Il est là en train de négocier comment il va faire pour avoir la photo avec Popol. Parce qu'il sait que s'il n'a pas la photo avec Popol, sa gloire là, c'est l'humiliation. C'est de l'humiliation totale. Il va venir dire, oh, c'est ma culture. C'est ma culture. Non, ce n'est pas ta culture. Eh bien, elle me demande ton avis, et ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis, c'est ce que je dis, ça, c'est mon émission, je dis mon avis. S'il n'a pas... Moi, je te pose une question. Qu'est-ce qu'il doit alors faire maintenant, comme il n'a pas été reçu par le président? Je ne sais pas. Ça serait dur. Ça, c'est un travail. Je t'assure. Eh bien, ça serait dur. Ça serait très dur pour lui. Il ne va pas digérer. Il ne va pas digérer. Il ne va pas digérer. Il ne va pas digérer si le président ne le reçoit pas. Parce qu'il a les comptes, il y aura une certaine image du Cameroun qui est bafouée. Il y aura, à moins qu'il vienne dire que non, je ne suis pas Camerounais, je suis français. Alors, la France, est-ce qu'il a pu la voter avec Macron? Non. Ça serait très dur pour lui. Et ça serait très dur pour lui pour voir maintenant où il se trouve, la position où il se trouve, que dit oh. Donc les gars là m'utilisaient. Est-ce que je peux partir? Est-ce que si je peux sortir? Est-ce que je peux être contre le pays? Tu ne peux pas être, mais être contre le pays, tu es fini. Tu ne peux plus. Tu as déjà pris la photo avec Mwele Kombi, qui est l'un des maîtres sataniques de Illuminati. Des grands qui fait partie des Américains. Tu t'es filmé avec moi, là. Mais tu dis ce qui est vrai. Eh bien, là, c'est encore mieux qu'il reste avec sa ceinture aux États-Unis. Là, c'est mon point. Voilà, ça, c'est bien. S'il restait encore ici aux États-Unis, sans aller au Cameroun, les Camerounais devaient dire que, oh, tu gagnes le champion, tu ne viens pas au Cameroun nous montrer. Les gens devaient comprendre. Et c'est là où ils devaient profiter pour dire que si je viens au Cameroun, si je vais rencontrer le président, je ne viens qu'au Cameroun si je rencontre le président. Si je ne peux pas rencontrer le président, je ne viens pas au Cameroun. Ça, c'est la honte. Pour vous, c'est la gloire. Hein? Pour moi, c'est la honte. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Je ne peux pas aller dire là-bas que Ngannou is a Cameroonian. No, bullshit, he is not a Cameroonian. Non. Je ne peux pas aller dire que Ngannou est... Je ne peux pas être content de ça ici aux États-Unis. Jamais. Parce que je suis humilié. Le pays l'a humilié. Le Cameroun l'a déçu. Et je vous dis que ça serait encore pire pour lui. Et c'est là où il devait même se radicaliser. Il est rentré pour voir sa mère. Il est rentré pour voir sa mère et non pour bien. Pour voir sa mère, il a besoin de rentrer. Il peut faire venir sa mère ici aux États-Unis. Hein, ange. Il est parti voir sa mère. Il est parti voir les Camerounais. Il est parti montrer. Il n'est pas parti voir sa mère. Qui t'a dit que sa mère n'était pas même au combat ici? Sa mère ne pouvait pas être au combat. Il peut pouvoir sa mère, il a besoin d'aller au Cameroun. Pour voir sa mère, il peut faire venir sa mère. Alors, pour faire venir sa mère, il allait voir que sa mère, il allait montrer son trophée au Cameroun. Mais il allait au Cameroun, ça c'est une humiliation, c'est une honte. Ça c'est une honte jusqu'à. Ça c'est une honte, shame. Shame, shame, shame.
Il est encore au Cameroun, mais je suis sûr qu'il est en train de négocier. Il est en train de négocier comment est-ce qu'il peut faire pour voir ce président. Il est en train de négocier pour voir comment il peut prendre une photo. Tu parles. Tu parles. Les autres pays d'Afrique vont voir ça comme la magie. Laisse les autres pays d'Afrique. Parce que les autres pays d'Afrique savent ce que le Cameroun est comme ça. Oh, Grace. Grace, regarde alors ce que tu poses. Did he want to meet with Paul Biya? It doesn't have to meet with Paul Biya. It's something that's supposed to be natural. This is a world champion. It's supposed to be on the program. It's supposed to be on the program, Grace. It's something that's supposed to be on the program. Like, okay, this world champion is coming back home. Let the president meet him. Let him, like he went to give his mom his belt. The same thing could have happened with the president. Go and give your belt to the president to wear. The president should wear his belt to show to the world. The president will be proud and say, my son, I'm proud of you to make this country to be the champion, the world champion. But that's not the case. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le président devait porter, mettre sur lui aussi. Dit que si tu es champion, je suis champion. Non. Maybe he just wanted to do it for the people. No. He knows what he was doing. I think he was ignorant. Il est ignorant. Il est ignorant. He's just ignorant. If he knew that, you think if tu penses que si il avait vraiment sa conscience normale, il pouvait aller prendre la photo avec le billet. Il ne peut plus aller prendre la photo avec le billet. Il ne peut plus. Il s'est rendu compte après. Ça, c'était l'ignorance. Et même là, maintenant, c'est encore une ignorance. Et là, maintenant, c'est encore une autre ignorance. Que tu quittes papa, tu ne connais pas que le président de la République ne va pas te regarder, ne va pas te voir. Tu pars au Cameroun, fais quoi? Tu pars au Cameroun, fais quoi? Oui, qui la prend la photo, qui se filme avec la photo, on quitte dessus. Puisqu'on sait que, le pays est dirigé par la photo. Qui se filme une fois avec la photo, il confirme, on quitte dessus. C'est clair. C'est clair. Il s'est fait humilier. Il est arrivé au bout du tunnel. Il n'a pas vu le tunnel. Il a vu le tunnel, pas arrivé au bout du tunnel parce qu'il n'a pas salué Popol. Le pays nous a encore prouvé à quel point il n'est géré par personne. Encore un autre indice qui prouve qu'il est géré. Il n'y a personne. Il a le compte à rendre au monde entier, surtout aux États-Unis. Il sera tellement humilié aux États-Unis à son retour qu'on va lui demander que, mais ton président n'est pas content, ton pays n'est pas content de toi. Quand on dit que ton pays, on dit que ton président, ça veut dire que si ton président ne prend pas la photo avec toi, c'est que c'est tout ton pays qui n'est pas content de toi. Nyama. Yes. Comprends ça. Si ton président ne prend pas la photo avec toi, ça veut dire qu'il n'est pas content de ta gloire. Et ça veut dire que, en parallèle, que le pays n'est pas content de ta gloire. On a 25 millions de population. 30. Si le président ne te filme pas avec toi, ça veut dire que le président n'est pas content de ta gloire. Et pour dire encore que le Cameroun n'est pas content de ce que tu as fait, on ne va te valoriser pas. On ne te valorise pas. Tu aurais pu quitter, aller voir le président élu. Te filmer avec le président élu, Maurice Kamto. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu es fini. Pourquoi tu ne peux pas aller prendre... Maurice Kamto t'a félicité. On ne t'a même pas... Le président ne t'a pas félicité. Tu aurais pu même pas respect, même pas gloire, dire que voilà,
voilà le président Maurice Kamto, que les Camerounais aiment. Ah, oh, vraiment, le Dieu. Eh, ah, bah, vous le dire. Tu aurais pu même dire que, ok, je m'en vais quand même voir. Parce que le président Maurice Kamto, c'est un président que tout le monde veut arriver au Cameroun, veut se filmer avec lui. Tu aurais dit, ok, comme le président ne peut pas me filmer avec moi, je m'en vais me filmer avec le président Maurice Kamto. Ok, oh, no string attached. No string attached, je ne sais pas comment on dit ça en français. Moi, j'ai dit en anglais. Pour dire que, no string attached, pour dire que, ok, je ne fais pas la politique. Pour dire que je ne fais pas la politique. Ok, tu ne fais pas la politique. Va alors te filmer avec le professeur Maurice Kamto. Va te filmer avec le professeur Maurice Kamto. Juste pour dire que tu ne fais pas la politique. Ok, je me filme avec le professeur Maurice Kamto juste pour les photos. Tu fais comme l'autre, le chanteur, là, s'est filmé avec lui. Tu as peur que tu vas te filmer avec lui. Ça va bouillir. Ça va bouillir. Tu n'es pas allé au désert. Votre jet privé, tu es allé jusqu'au Cameroun. Oh, Lucie, bonsoir ma personne. Tu n'es pas allé jet privé, tu devais prendre un jet privé encore pour le désert, pour voir tes amis qui sont là-bas. Jet privé. Pour aller au désert, tu devais faire ça. Ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes. Oh my God. Attends, les gars. Ganou est mort. Ganou n'est pas content. Seulement le fait là. Laissons le niveau des ministres, tout ça, les gars. Ganou au niveau du top, que c'est le président de la République qui doit le recevoir. C'est le président, il doit montrer sa médaille au président de la République. Il ne doit pas montrer sa médaille à tous ces ministres corrompus. Ce gouvernement corrompu. C'est le président de la République qui doit toucher la médaille. C'est là où ça lui fait mal. Là, c'est l'humiliation. Ça, c'est la honte pour lui. Merci, Belle. Sa joie est devenue l'enfer dans son propre pays. Quelle honte. Merci, il y a des gens qui... Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne savent pas pourquoi les gens... Pourquoi on est peu qui comprenons ça. Ou alors les gens se comprennent, mais ils sont hypocrites. I don't get it. I don't get it. Pourquoi vous ne comprenez pas? Je ne sais pas si on a seulement un niveau de compréhension différent. Non, autant on dit que non, peut-être il allait seulement voir la population quand même. Non, on est arrivé dans un niveau où tu ne parles plus. Il y a des choses qu'on se parle. Pour Jipo Remingono, quand les petits influenceuses, les petits combattants là, l'insulte, est-ce qu'il les gère? Parmi les voitures, il y a les camions. Parmi les combattants, il y a les camions. Moi-même, quand les gars là m'insultent, il y a des gens qui m'insultent sur Facebook. Qui, quand ils m'insultent, je ne les gère même pas. Je ne gère même pas. Tu connais ton niveau. Tu connais là où ton standing. Tu connais ton standing. Quand Kikine m'a insulté, qu'est-ce que je peux même changer ce pays? Moi, j'ai changé le pays. Jusqu'à. Je vous ai dit que moi, je suis venu dans ce pays avec un contrat de travail. J'étais mannequin. J'ai fait ce qu'il fallait dans ce pays. J'ai fait des trucs, j'ai fait des publicités. Je suis arrivé dans l'émission. L'émission, même quand lui, il est venu, et il a fait les champions. Moi, j'étais champion de mon côté. American Next Top, c'était le championnat. Pour moi, c'est le championnat. Je suis rentré au pays. J'ai créé une fondation des sous-muets que j'ai enregistré dans j'ai créé une équipe de football. Des soumiens que j'ai enregistré à l'application Fédération Camerounaise des soumiens et qu'ils ont gagné le championnat et que ce championnat, le trophée a été remis par le président Paul Biya à l'époque. Alors, ça veut dire que quoi, je suis fier de moi, ça c'était le niveau. Mais Nganou ne peut pas aller dire qu'il a vu les ministres, il est content, mais non. 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 Je vous dis qu'il n'est pas content. Parmi les voitures, il y a les camions. Son niveau, c'est déjà voir le. Quand il tombe au pays, là, c'est s'asseoir avec le président de la République. Fait chier. Il va souffrir dans son cœur. Et c'est ça la musique de Vassero. Ce pays tue les jeunes. Il va souffrir dans son cœur. Il ne va jamais dire. Parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. Ils ont cash 22. Oh, est-ce que je peux aller alors
Il faut supporter le peuple. Non. Le peuple, le gouvernement te tire. Est-ce qu'il faut faire ceci? Non. Ici, l'Amérique te tire. Non. C'est nous qui t'avons mis là-bas. On ne peut pas. On te gère. On va gérer ta vie à partir de maintenant. Papa, c'est le hélélé. La gloire, là, ça se paye. Hein? Ça se paye. La gloire, ça se paye. La starmania se paye. Papa, si je voulais être milliardaire, je devais être milliardaire. Il y a des trucs ici aux États-Unis. Quand on te met dedans, tu vois l'argent, tu fuis. Tu sais ce que j'ai d'argent. Tu fuis. Tu fuis. Il y a des choses que tu fuis. Tu vois l'argent, tu fuis, tu trembles comme ça. Tu dis que non, je n'ai pas travaillé cet argent. Voyez un peu. Ça, c'est des trucs que tu arrives, il a son niveau. Son niveau à lui, c'est arriver au Cameroun, c'est pas rencontrer les petits ministres. C'est même pas rencontrer Ngongo. Ngongo, c'est rien pour lui. C'est rencontrer le président de la République. C'est ça son niveau. That's his level. To meet the president of the Republic of Cameroon. That's his level. Là où il est, il faut qu'il fasse tout pour avoir. Même s'il faut un faux, il va faire. Parce que s'il se rentre du Cameroun sans voir le président de la République, c'est la honte du monde, les gars. C'est la honte du monde. Ça, c'est la honte du monde. Ça, c'est mettre notre pays. Ça, c'est la honte. Voilà, ça fait que tous les Camerounais fuient. Tous les stars fuient. Tous les stars fuient du Cameroun. Citez-moi les grandes stars du Cameroun. Citez-moi les stars du Cameroun. D'autres vont s'accrocher en Côte d'Ivoire. D'autres vont faire des amitiés en Côte d'Ivoire. Tout se passe en Côte d'Ivoire. Tout se passe. Nathalie Kouah en Côte d'Ivoire. Stanley Eno en Côte d'Ivoire. Steve Fa en Côte d'Ivoire. Parce que tout pays tue les jeunes. Rien ne marche. Rien ne marche. Ça, c'est une honte. S'il rentre de ce pays sans saluer le président, sans donner sa ceinture au président, c'est que c'est une honte, c'est que c'est une fausse gloire, c'est une fausse victoire. C'est que vraiment, lui-même ne sera pas content. Il va rester dans la nuit, dans son hôtel. Il va dire que non, non, ce n'est pas normal. Ce pays tue les jeunes. Tu quittes. Tu bosses, tu pars, tu esquives les requins. Tu viens, tu es champion, tu vas au pays. Regarde ce qu'on te donne. Regarde ce qu'on te donne. Même le respect. Le respect. Les ministres sataniques, les moelles, les combis, tout ça là. Ce n'est pas les ministres. Même Gongo n'est pas ton niveau. Ton niveau, c'est Popol. Encore, vous nous avez montré les indices que ce pays est orphelin, que ce pays n'est pas dirigé par quelqu'un. Vous nous avez encore prouvé à quel point. Eh, ma star, bonjour. Bonjour, ma guerrière. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu viens t'humilier comme ça? Tu viens t'humilier? On ne te reçoit même pas à étudier. Champion du monde, pas champion d'Afrique, pas champion du Cameroun, champion du monde. Du monde. Ça veut dire que ton poste, donc tu n'auras jamais la photo avec Popol, même pour encadrer. Et papa. Ton invitation. Ton invitation, j'ai oublié la partie là. Ton invitation, tu te donnes ça qu'au Cameroun. Juste, et la honte. Yo, 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 yo. Et vous venez me montrer ça sur Facebook. Voilà, on lui donne son invitation. Ça devait passer par la communication. Vous blaguez même avec les États-Unis, mon frère. Qu'est-ce que même ces communications là, non? Les choses que vous avez cachées. Vous venez encore montrer son invitation.
étant au Cameroun, c'est lui qui devait sortir. Mais voilà mon invitation que j'ai reçue aux États-Unis. Voilà mon invitation que j'ai reçue des États-Unis. Il pouvait aller voir. Il est apolitique, c'est qu'il est apolitique. Qu'il aille voir le président élu pour dire que okay, je suis apolitique, je peux filmer avec le président élu. Qu'il aille se filmer alors là-bas. C'est ce qu'il ne peut pas. Il ne peut même plus aller se filmer avec le billet. Il ne peut plus aller se filmer avec le billet. La billet. Fuck it. Hein? L'invitation, vous avez une dème. Cachez l'invitation. Si vous avez une dème, cachez. Mais vous venez encore lui dire que voilà ton invitation qu'on avait oubliée. Qu'on n'a pas postée. Quand on enlève le Cameroun sur la carte du Cameroun, franchement. C'est I don't get it. C'est pas. C'est pour que, franchement, si on avait un président, toutes ces histoires-là ne devraient pas se passer. Toutes ces histoires, c'est comme si chacun fait ce qu'il veut. Vous suivez le Cameroun. Pascal Siakam a fui, William. Siakam a fui en live comme ça, là, nous on a tous vu. Siakam a fui en live, William. Big up à Kavash, à William, Jordan. Ça, c'est du n'importe quoi. Quelle humiliation! Et tu vas voir Facebook. Facebook. Oh, notre champion. Les gars qui sont venus au Cameroun là, te voir là, courir derrière toi là. C'est l'argent, ils croyaient que tu vas jeter l'argent. Il fallait tenter de jeter un peu d'argent comme ça, tu vas créer les accidents là-bas en route. C'est les gars qui n'ont même pas la lumière. C'était un pay-per-view. Hein. Ça veut dire que même pour vivre aux États-Unis, pour voir ton combat là, c'était pas facile. Donc ils ont seulement entendu. Certains n'ont encore entendu. Certains n'ont que supporté parce que tu es Camerounais. Mais ce n'est pas dans ton cœur, dans la parade là. Pour ton but, c'est étudier. Comme tu as fait avec le billet. Ton but, c'est étudier. Mais tu ne verras pas le tunnel, le fond du tunnel là. Ton fond du tunnel, c'est étudier. Mais tu n'as pas encore arrivé là-bas. Quelle humiliation. Quelle honte. Encore une indice qu'on n'est pas géré. Filme-toi une fois avec la photo. Là, c'est ma mère, tu sais qui vient d'arriver là. Regarde comment elle est belle. Elle est morte, elle avait 35 ans. J'étais encore jeune, moi. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans comme ça. T'es une infirmière. En 5 ans, et parfois tu pleures toujours. Filme-toi avec, comme on a dit, filme-toi avec un kit dessus. Parce que si tu ne te filmes pas avec, les réunions se font. Partagez ça, les gars, partagez. Les réunions se font avec la photo en haut. Filme-toi une fois avec la photo, ça se passe, on kit dessus. On kit dessus. Tout le monde est en train de partir. Voilà, Ténor s'accroche. C'est une Ivoirienne, pour qu'on parle de lui. S'il n'y a pas l'Ivoirienne, là, on ne va pas parler de lui. Stanley, pas faire les meet and greet dans les hôtels de la Côte d'Ivoire. Aucun programme. Nathalie Kwa, elle va faire son premier projet à Côte d'Ivoire. Elle est son pays. Parce que vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ce pays. Mais eh bien, s'il essaie même de se filmer avec le pays, il ne va plus jamais poser ses pieds au Cameroun. Voilà l'occasion qui doit montrer aux yeux du monde que ce pays-là souffre. S'il va se filmer avec le PE, ça va prouver qu'il est apolitique. Mais s'il va se filmer, on va dire qu'il est politicien. Le gars-là s'est filmé avec le PE, ça a créé quel problème? Ça n'a pas créé de problème.
comment on l'appelle encore, l'artiste, le petit, l'artiste là, qui s'est filmé avec le PE. Est-ce que ça a créé un problème? Il parlait, s'est filmé, il dit que voilà, voilà mon rêve, le rêve de tous les gars de la diaspora, c'est aller se filmer avec le président Maurice Kamto. Mais s'il n'est pas se filmer avec Maurice Kamto, c'est qu'il a pris position. C'est qu'il a pris position. Mais pour nous, hein, les activistes, pas les tontinats, les activistes, parce qu'ils ne font pas la différence. Dynastie le Tigre, ouais, merci, Belé. Dynastie le Tigre s'est filmé avec le PE. Ça a créé ce que ça a créé. Mais il a quand même pris notre support. C'est normal. Mais lui, il n'est pas même pas. Pourtant, le PE a écrit une lettre pour le féliciter. Il a donné une lettre pour le féliciter. Est-ce que lui, il a fait sa part de lettre? Il n'a jamais fait. Le gars est en train de souffrir dans... Je vous dis, le gars n'est pas dans lui là-bas au Cameroun. Le gars n'est pas... Le gars est en train de souffrir dans lui. Vous allez croire qu'il est content. Il n'est pas content. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Je m'en vais au Cameroun. Tu vois que je m'en vais au Cameroun. Je vais voir, il y a les interviews. Il y a des télévisions ou des places de télévision où je vais me mettre pour me filmer. C'est comme ça, c'est le niveau. Même le ministre ne va pas être son niveau. Tu veux filmer avec le ministre, ce n'est pas son niveau. Peut-être avec le ministre, c'est pour l'amener voir le président. Mais si on lui dit que ton niveau, là, c'est le niveau du ministre, hein, c'est qu'il n'a rien fait. Chacun a son niveau dans la vie. Surtout quand tu es une star. Tu dois avoir ton niveau. Ton standing. Il faut qu'il fasse attention, ce gars. Je vous ai dit que, Belé, si moi, on me mettait avec le gars là, William, le gars, et on dit au gars là que fais exactement les mêmes choses que tu as faites pendant ton combat, les mêmes coups là. Moi, je le tapais. Je peux le taper. Qu'est-ce que c'était un combat, ça? C'est des trucs arrangés. Pour vous, c'est waouh. Non, fuck that. L'Amérique, c'est le capitalisme. C'est l'argent. En cap. C'est l'argent. On crée l'argent. On crée l'argent. Ils pouvaient le taper. Quelqu'un qui marche avec les Mark Tyson, tout ça là. Tu arrives au Cameroun. Mark Tyson, lui, si c'est Mark Tyson qui gagnait, on devait le recevoir au White House. On devait le recevoir au White House, les gars. Si c'est Mark Tyson qui gagnait, on devait le recevoir au White House, à la Maison Blanche. Pourquoi on ne peut pas recevoir ce gars? Pourquoi on ne peut pas le recevoir à étudier? Pourquoi on ne peut pas le recevoir à étudier? Pourquoi on ne peut pas donner? Parce que quoi? Dites-moi. Ça, c'est du n'importe quoi, franchement. Alors, c'était mon émission. Je dis mon avis par rapport à tout ce que j'ai vu sur la toile et par rapport à Ngannou. Je le tapais. Pas taper Ngannou. Pas taper, je dis pas taper Ngannou, Ngannou en tape, non, mais il m'écrase. Mais le, je veux dire, hein, ce gars-là, si bagarré, William, si bagarré comme il bagarre là, toi-même tu pouvais le taper. Toi-même tu pouvais le taper. Il ne faisait pas, c'était le cinéma, c'était le film, c'était un montage. Je vous ai dit, hein, ne soyez pas surpris que Ngannou est l'égérie du Covid au Cameroun ou bien en Afrique. Ne soyez pas surpris que c'est lui qui fait la publicité du Covid. Ne soyez pas surpris. Je dis ça et je ne dis rien. Donc, c'était ça mon émission. Et merci de partager au maximum pour que ça lui arrive. J'espère qu'il va prendre conscience et il va connaître qu'on l'a humilié.
On l'a vraiment humilié. Pour moi, ce n'est même pas la gare. Si, moi, lui, je prends encore le jet. Je m'en vais au désert me filmer avec les gars. Combien de ministres ont le jet? Tu prends le jet pour aller te filmer avec un ministre. Jet privé, tu peux te filmer avec un ministre. Jet privé, tu devais atterrir qu'à étudier. Tu devais atterrir qu'à étudier au milieu de... à étudier. Voilà. J'ai parlé de Nganou, j'ai parlé de Chantal ici, j'ai parlé de Stanley Hino, j'ai parlé de Nathalie Nkoua, j'ai parlé de Stéphane, qui j'ai oublié encore. J'ai parlé de J. Oui. Ouais, je voulais aussi dire que j'ai vu quand Waki a posté la vidéo de Chantal sur sa page. Je sais pas si de quoi il voulait montrer que il supporte. Que voilà, ça pour moi ça c'est la calomnie, ça c'est la bassesse. C'était pour montrer que oh voilà, J. Rémi Ngono qui avait dit à Chantal que trouve un avocat pour Kanwa, parce que Kanwa a dit que tu voulais l'empoisonner, qui est normal. Maintenant, toi, Kanwa, tu viens poster ça. Tu viens poster la partie là. Je sais pas ce que tu voulais prouver au monde, que pour montrer que J.P. Remingon est méchant ou quoi. Je ne sais pas. Je pense que J.P. a conseillé Chantal bien juste pour dire que, ouais, on ne peut pas dire que un gars ne peut pas dire que tu voulais l'empoisonner. Pourtant, trouve-toi un avocat. Tu le portes plein, il va te montrer les preuves. Je pense que c'est ça. Mais en venant poster la vidéo là, c'était pour quoi? Pour montrer, aide-moi à détester. Je ne sais pas. Ça n'avait pas de place. Pour moi, ça n'avait pas de place, franchement, pour montrer. Sinon, la musique, oui, nous on aime la musique. Mais quand vous voulez faire peut-être la team, et surtout qu'elle sache là où elle veut s'aligner. Hein. Qu'elle sache là où elle veut s'aligner, parce que ce qu'elle ne fasse pas l'erreur, parce que l'erreur Fombutu Kunadami Fondos, c'est une star, elle est dans un terrain glissant, les stars doivent balancer, surtout s'incliner aux côtés du pauvre. Surtout s'incliner aux côtés du peuple. Pour finir, je vais mettre le morceau de l'unité nationale de ma chère. C'est un morceau qui me touche beaucoup. J'aime bien ce morceau. J'aime bien ce morceau. Partagez les gars. C'est un sardin, on sait. Mais William, j'ai pas vu ton direct par rapport à Nganou. Parce que c'est que toi aussi tu es tensionné. Il serait. En jet privé, tu ne pars même pas au Nozo. En jet privé, tu ne pars même pas au Nozo. Nord-Ouest, Sud-Ouest, là où il y a les morts. Même aller aider les gars. Là. Ne vous appartient pas, ça. Partagez les gars. Come on, 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 come on
C'est vrai. C'est vrai, Angola. C'est vrai ce que tu dis. Partagez. Que mon monde ne vous appartient pas seul. Il est Sadina. Il n'y a pas que les encourager. Il n'y a pas que les bamboulés. Il est quand même petit. Il n'y a pas que les bamboulés. Chantez l'amour, les l'homme de l'air. La légende à l'extérieur. Partagez les gars. Are you serious? Je vous l'avais dit. Open still for life. He's asking forgiveness and crying. Wow. Je vous ai dit que Steve Fah va se rendre compte là où il est là. Oh. Le pays là va faire, les gens vont entrer dans les trucs. Steve Fah en train de... is asking for forgiveness and crying. Wow. Really? En l'unité... pour l'avenir meilleur. Brisé. Voilà ça, non? Il pleure en direct. Je me lève et je danse. Passe mon équipe de Los Angeles, les Lakers. Unlimité, unlimité. Oswan Ganun. Oula Benine. Macha. Allons suivre Steve Fah. Merci d'être là. Il paraît qu'il pleure. Il s'est rendu compte. Gano Obinex. On ne blague pas avec un peuple qui pleure. On ne blague pas avec un peuple qui souffre. On ne blague pas avec un peuple qui souffre. Quand on est star. Je vous ai dit, non. Les gars là, dans eux là, on souffre. 22-00. Allons suivre. Allons suivre, les gars. Allons suivre, Stéphane. Chris.